Chers amis, artisans de lumière, bonjour à vous. Je vous souhaite une très bonne année 2017, que tous vos vœux, vos projets se réalisent, que ce soit une belle avancée spirituelle pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos sur YouTube. Vous savez qu'en année 2017, il s'agissait de vidéos un peu original sur les sorties hors du corps et le voyage astral. Donc, je vous en remercie. Je vous souhaite un bon entraînement et bien sûr de magnifiques expériences. D'autre part, je vous remercie également parce que depuis Noël, sur ma chaîne Joie Angélique, je suis parvenu à 1000 abonnés, ce qui est quand même une étape, et cela m'a fait chaud au cœur parce que, comme vous pouvez le deviner, constituer ces vidéos me prend énormément de temps, et bien sûr tout cela est parfaitement gratuit. En l'année 2017, j'ai le projet de continuer encore un petit peu les montages vidéo sur les sorties hors du corps et le voyage astral, et ensuite il y aura des vidéos sur la communication spirituelle avec les guides de lumière, avec l'invisible. Je prône énormément en ces temps à venir la pratique de la méditation pour la paix dans le monde. Il en existe de toutes sortes, vous en trouverez beaucoup sur YouTube. J'ai mis une vidéo qui s'intitule « Méditation, la colombe de la paix », méditation guidée par mon épouse Nicole, mais il en existe beaucoup d'autres, et d'ailleurs, on peut varier les méditations selon notre gré. Alors, je conseille d'effectuer ces méditations au minimum une fois par mois environ, c'est-à-dire à la pleine lune, puisque lors de la pleine lune, l'énergie est très forte et favorise beaucoup l'émission de pensées de paix, d'amour, d'harmonie sur toute la Terre. Je vais vous donner les dates des pleines lunes de l'année 2017. Donc, alors évidemment, je n'ai pas mis le mois de janvier. Je vais vous dire tout de suite le mois de janvier. Le mois de janvier, ce sera le 12 janvier 2017. Ensuite, le 11 février, le 12 mars, le 11 avril, le 10 mai, le 9 juin, le 9 juillet, le 7 août, le 6 septembre, le 5 octobre, le 4 novembre, le 3 décembre 2017. Là, si chacun faisait ce travail de méditation, qui n'a pas besoin de durer très longtemps, chaque pleine lune, ben déjà, pour la paix dans le monde, cela créerait une dynamique énergétique de paix sur la Terre qui serait très favorable. Comme vous le pressentez, l'humanité, la planète Terre, ont énormément besoin de ces méditations de paix, de prières pour la paix, d'action pour la paix, de pensée pour la paix. Il y a quand même certains dangers qui rôdent. Il nous faut garder l'espoir, puisque si nous-mêmes qui sommes engagés dans la voie spirituelle, nous commençons à paniquer, qu'en sera-t-il du reste de l'humanité? C'est très important, c'est notre devoir de rester ferme dans notre confiance, dans notre foi en l'avenir, dans notre foi en les forces divines et en les guides de lumière. C'est essentiel. Même si nous avons parfois d'être au milieu d'un tunnel bien sombre et que pour les temps à venir, les plus proches ont l'impression qu'on y est toujours bien au milieu, n'oublions jamais qu'au bout du tunnel, il y aura forcément la lumière. Et ne perdons jamais cet espoir.
l'expérience historique a prouvé qu'il y a eu de nombreuses périodes de troubles, mais qu'à la fin, il y a eu toujours de magnifiques embellies, des périodes ensoleillées de paix et d'harmonie. Donc restons dans cette dynamique positive. Donc du fond du cœur, une bonne, très bonne année à vous et à vos proches, et à bientôt, si vous le voulez bien, pour les prochaines vidéos Joie Angélique. Au revoir, à bientôt.